Bon, la team, réveil un petit peu compliqué, tête dans le cul, mais grâce à deux personnes que j'ai rencontrées hier pour une rencontre abonnée du côté de la Pointe du Groin, nous avons Fabrice, c'est ça? C'est ça. Je me trompe pas. Et Fabien? Bastien. Bastien, excuse-moi. Enchanté. Bah voilà, Bastien, les mêmes. Bastien. Ces deux hommes-là viennent de nous sauver une mobylette. Vous voyez le Monsieur Wish version bricolage, GMK là Wish, le GMK de Wish. Je vous explique un petit peu la merde qu'on a eu hier. On est resté bloqué quasiment deux heures sur le bord de la route. Parce que cet homme, entre guillemets, avait son axe de pédalier qui était grosso merdo un peu pété. Et on va faire simple, mais tu voulais faire un ventilateur avec tes pédales quand tu roulais, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, son pédalier restait bloqué et tournait en même temps que le moteur tournait. C'était pas faux. Mais il y a un mais. Pendant la rencontre abonnée, on a pu discuter et à la fin, on a eu de la chance, on a posé une question. T'as fait « Ah, mais t'as pas un plateau de motobécane ?» Cet homme a dit oui, j'en ai une. Il a amené la sienne ce matin. Donc ça, c'est la tienne, t'en as une deuxième, c'est ça? C'est ça. T'as celle-ci et t'as quoi d'autre après? Une 103. Et donc ils sont venus l'amener directement avec leur petit berlingot, si tu vas connerie. Ouais, en fait, on a démonté, Non, moi j'ai rien fait, je suis arrivé quand vous l'avez quasiment tout fait. Donc ça serait mentir que j'ai fait quelque chose. Mais ils ont démonté le plateau de celle-ci. Donc le plateau a été démonté et a été installé sur la nouvelle. Et là, normalement, on croise les doigts. Tout ce qui est croisable, vous croisez aussi les doigts. C'est ça. Et là, on va aller dans direction Mont-Saint-Michel. On a quoi, 80 bornes, les gars, à peu près? Jusqu'à avant, jusqu'à pas. Ouais, bah, de toute façon, Mont-Saint-Michel, c'est avant. C'est Cancale. Bon, ouais, on va faire un petit Cancale, et puis ensuite, après, Mont-Saint-Michel. Et normalement, on a une petite surprise de couleur bleue. Vous savez qu'on a fait une petite réparation de type wish, c'est-à-dire... Soudage, plus pâte, plus repâte, plus pâte, plus pâte, plus repâte, pâte. Mais forcément, on va l'appeler la mobylette aimantale. Il y a encore un petit trou. Attention. Ah, ça coule juste ici. Et vous voyez, c'est en train de se diffuser. Donc c'est juste ça qui fait les gouttes. Ouais, normalement. Bon, on va y arriver. C'est pour ça que ça ne fuit quasiment plus en fait. Ouais. Tu vois, tu le vois là, regarde. À la brasure. Regarde, ici. Attention, regarde. Attends que ça s'écarte, regarde. Tu vois là, regarde l'essence, elle arrive là. Je vais essayer. Bon, ça va. Si c'est que ça. Ouais, moi, vite fait, à Noroto, j'ai changé mon ampoule devant et on a surtout changé les pneus de la remorque parce que les pneus de la remorque étaient dans un sale état. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah merde, tes lunettes! Ouais, donc vous voyez, au niveau de la remorque, on a mis des pneus tout neufs parce qu'ils étaient vraiment en mode plat, sa mère. Et on avait une hernie sur le pneu de gauche. Donc pour des raisons de sécurité, nous avons mis des petits pneus crampons. Là, on va aller à Cancale par la côte, les potes. Aïe, quand les 40 tonnes te doublent, frérot. C'est quelque chose. Il y a un deuxième 40 tonnes, là. Ah oui, et il double. Oh, mec, il y va, ligne blanche, virage. Rabattez-vous. Oh là là. Ah, c'est le pote à Brigitte, c'est pour ça. Oui, c'est Jean-Luc. Oh, Jean-Luc Lahaye aussi, oui, exact. Et nous voici à Cancale. À droite. Oh putain, c'est à droite, merde. Il y a un trou. Ah, j'étais trop concentré à regarder Cancale. Eh, regarde en face là. Oh là là. Oh, c'est bon, on a trouvé l'endroit, on va les bouffer les gars. Ah, regarde avec l'église en haut. Ah, c'est trop beau. Saint-Michel, t'arrives à le voir là d'ici? Ouais. Attends, il est où? Ah, moi je le vois plus. J'ai pas de soleil, mais je le vois. Ah, il est où? Ok, exact. Il est tout au fond là-bas. Tout au fond. Oh, l'eau, elle est turquoise là, gros. Je vois des trucs de malade mentaux là. Oh putain, c'est trop beau. Oh, par la petite côte ici là. On est en mode gros, dites ça! C'est magnifique! Et là, on arrive sur le petit port. Ouais, d'accord, ok. Ok, bah c'est validé cette petite route-là, Chivron. Ah, on arrive à checker le Mont Saint-Michel, mais loin là-bas. Hein. Tout au bout là-bas. Oh là 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 là! Merveilleux, les amis! Nous sommes arrivés à Cancale. C'est superbe! Bah, en Cancale. Hein. Oh, incroyable. Je pense que c'est au niveau des petits restos là-bas qu'on va aller se... Putain, c'est stylé la petite route là qui se met sur la jetée. Mec, c'est trop beau. C'est stylé de ouf. Et bah voilà. Est-ce que c'est pas beau ça, les gars? Oh, trop mignon. C'est trop stylé, mec. Mec, on va être trop bien. On pose les mobs là. Bah, on va être bien. S'ils sont beaux.
600 bornes, ça le fait de ouf. Moi je valide à 100%, là on va caler les meubles là. Là on cale les meubles là, tu vois, par là, petite photo. Regarde, on va aller les foutre là. Ici, je pars là, tu vois, il y a plein de terrasses en rouge là. Oh, mais non, mais mec, on les met là, là. Regarde ça. Le Mont Saint-Mich qui est... il est où, Mich-Mich? Il est là-bas, Mich-Mich. Oh là là, incroyable. Et la couleur de l'eau. Putain, c'est beau. Et là, il n'y a pas meilleur endroit pour manger des huîtres, là. Bon appétit. Regardez, on est arrivé avec la marée haute, la marée basse est descendue. Tous les tracteurs sont en train d'aller chercher toutes les petites huîtres, là, à droite, à gauche. On a compté 14 tracteurs. C'est bon, il y a des marées, Mister, là-bas? Moi, je suis en route. T'es en route, mon copain? Ah, j'ai du poids au cul. Ah, ça va, tu... Ouais, c'est... Je l'attire, mon gars, la... remorque, je l'attire. La petite dame, elle avait pas vu ce qui traînait derrière la remorque. Oh, c'est rigolo, c'est les copains. C'est rigolo, c'est les copains. On va dans le parc à huîtres. Bah, alors là, je pense que tu vas dans le parc à huîtres, gros, tu avances, tu fais 3 mètres, tu la tanques direct. Je me tanque, mais... Hein? Comme ça, hop, je passe par le guidon. Ah, ça, tu descends et tu tanques direct. Piscine direct. Vas-y, 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 t'inquiète, je te pousse, je te pousse, vas-y. Vas-y, je te pousse. Vas-y. Allez, on y va, let's go. Allez, on va la monter, cette truc. Ah ouais, il me pousse et je te pousse. C'est où après là? À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Vas-y, attends. Oh, mais matez-moi cette voiture qui double. Non, regardez, matez-moi cette magnifique vue que vous avez à gauche. C'est quand même sublime. Regarde comment c'est turquoise. Oh, c'est superbe. Et la grande baie, quand elle descend, gros. Oh, c'est fou. Non, mais c'est fabuleux. Hein. Yeah. Incroyable! Bah, c'était un abonné avec sa bulle. Paire de remorques sur la mob de Kev. Et mine de rien, elle l'attire bien, hein, son petit kit 50 là. Même remorque au cul, je le rattrape pas, c'est vrai, exact. Alors les gars, vous allez me dire en commentaire si vous avez déjà fait du char à voile. Mais ça, c'est un truc que j'ai déjà fait quand j'étais en Afrique, sur le lac du Grand Bara. Pour ceux qui connaissent Djibouti, je sais pas si vous connaissez. Mais j'avais kiffé ma race. Et c'est trop trop bien le char à voile. Ça, c'est des chars à voile une place, mais c'est trop bien la sensation. Et là, ils peuvent se tirer des bords, mais ça lasse tout le long, là. Par contre, là, les voiles roses, on les voit de loin, en tout cas. Hein. Pas beaucoup de vent, par contre. Hein. Viens à toi, Botard. Bon, je me suis tapé un gros vent, mon gars. On va genre vraiment se faire doubler par un tracteur. Yeah! Wouhou! Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Oh là là! Ah, il va le prendre en chasse. Incroyable. Voilà, largeur du truc. Je pense pas que c'est aussi gros quand même une remorque pour les ballots. Hein. Et où tu pars aussi là. Le mode 4x4 ici là. Bah bah bah. Oh la vache, il y a des trous là. Le petit corps de ferme à droite. Il y a des trous là. Bon, il y a des trous, fais gaffe avec la remorque quand même. Aïe aïe aïe. En mode trail le Kev là. Qu'est-ce qu'il fait avec son tank? Tu fais demi-tour ou quoi, Jojo? Tu vas faire demi-tour? Oh là, il a failli se casser la gueule. On y repart, les gars? C'est trop bien! Alors dites-vous, les gars, ce matin on était à Intersport pour changer les roues de la mob. J'ai croisé un abonné qui était ici et il nous a croisé par hasard. Putain, incroyable! On va aller se poser là-bas! Bah, il est à côté de moi. Et le mec en baradero, c'est le mec de ce matin, gros. C'est sublime, là. Non, mais frère. Et il y a quand même un mec qui s'est dit, je vais mettre une église là-haut, quand même. Il y a un village, je crois, à l'intérieur. Ah, c'est une vraie ville, dedans. Il y a des habitations, il y a tout. Oh là là, c'est beau. C'est beau de chez beau de chez beau. C'est quoi, on passe par là? Ça dit quoi sur ton GPS? En fait, à la base, le GPS, il me disait le chemin de terre avant la maison. Ouais, mais le chemin de terre... Ouais, bah les gars, ça y est, on est au Mont Saint-Michel. On le voit. On va monter tout le long là-bas. Attends, vas-y, coupe.
Oh là là les gars, on arrive au Mont-Saint-Michel en mob, la purée, c'est un truc. Non mais mec, c'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Et là sinon on prend la route du canal là. Bah c'est ça. Mont-Saint-Michel, on l'a fait mon gars. On va essayer d'aller jusqu'au Mont-Saint-Michel par ce petit chemin là. Allez, on y. Voilà. Ah ouais, tu le guides. On va aller tout doucement, tout doux, voilà. Ça va le faire, on va y arriver les gars. On va aller jusqu'au au pied de ce petit Mont-Saint-Michel. Ouais, reste sur la gauche, là c'est bien, là moi je suis derrière la remorque, je suis. Il y a des petites couilles qui ballottent, mais nickel, la remorque là ça le fait là. Un petit peu de sable. Non, non, tranquille, 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 tranquille. Vas-y, c'est bien, c'est bien. Voilà. Attends, je freine. Vas-y, je suis derrière. Oh là, ah ouais, il y a une petite bosse là. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, là, là, tu veux prendre un peu d'élan là ? Non. Tu vas la monter là ? Ouais, ouais. Vas-y, monte là, monte là, monte là, allez. Ah allez. Eh, hey, et là, là on reste là, là, là on a une belle vue là devant ça là. Non mais on va rester là, on va pas aller jusque là, c'est rien, là on. Là gros je pense que là, là on est quand même devant quelque chose d'incroyable quand même. Là fallait avoir les couilles de venir là. Attends, on les met juste ici les mobs pour avoir la vue dégagée là. Oh bah oui, là y'a pas de soucis. Là pour avoir la vue dégagée là. On va se mettre là-bas pour pas voir la barrière. Oh là là, on l'a fait frérot. Les gars, on l'a fait. Mont-Saint-Michel, ça y est. Bien joué ma poule. On l'a fait. Attends, allez, tu veux dire. Oh, je suis content. Putain, on est au Mont-Saint-Michel en mob, les gars. On les a amenés, ces mobs-là. Oh, le pari d'un, doucement, doucement. Non, mais bon, elle a démarré, je me suis roulé sur le moment. Allez, moi, je reçois la remorque du camping-car. Bon, hé, la team, sachez quelque chose. Là, on va au niveau de la Beauvoir. J'ai eu la gendarmerie au téléphone. Ils viennent nous dire coucou. Ça va être trop bien. Vous savez les deux vidéos de la gendarmerie que j'ai faites. Et ben voilà, vous avez normalement. Oh non, il y a sa chaîne de vélo qui est partie là. Oh putain. Bon bah les gars, vous allez reconnaître quelqu'un de très familier. Ça y est, elles sont là. Comment vas-tu, Jules? Tu vas bien, ça va? Tranquille? Ouais, tranquille. Ah, quel plaisir d'avoir des têtes connues. Non, t'es pas malade? Comment vas-tu? Ça va? Ça va, tranquille? Est-ce que c'est pas beau quand même, ces petites mobilettes avec les FJR? Bon, ça va depuis le temps, Jules? Oui, ça va, très bien. Ça va, tranquille? T'as vu, la vidéo, trop cool. Ouais, ça a bien marché. Il y a eu des très beaux retours, ouais. C'était vraiment cool. Vous étiez parti en patrouille, tranquille ou... Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai eu Gilles au téléphone, voilà, il m'a dit que tout était nickel, vous passiez pour la petite photo. Du coup, je vois qu'avec la vidéo, t'as pu investir dans un nouvel... Viens voir le bolide, Grinardo, jante noire. J'ai changé de bécane quand même. Ouais, j'ai mis ça, c'est le turbo, ça c'est normal, ouais. C'est pour l'accélération. Grinardo, t'as repas ou quoi? Ouais, ouais, Grinardo, jante noire. Bon, après, on les a chargés avec SW Motec, donc c'est grave cool. Une sacrée brochette. Et on a déjà fait 730 bornes. 730 bornes, et après on part au niveau de donc d'Orsur à côté d'Avranches, et après on descend Rennes, Rennes milieu de la Bretagne, et on finit à Lorient. Et on aura fait tout le tour complet. Donc c'est génial, c'est trop bien. Bon, avec Jus qui est derrière, on va faire la petite photo où il va se poser dessus, on va mettre la FJR ici, et on va faire la belle photo ici qui va être stylée. C'est incroyable, ce peloton de gendarmerie est incroyable les gars. Voilà. Tu viens la mettre là, ouais? Ah, ça c'est top. Voilà. Hop. Ouais, vas-y, avance, tu mets quasiment à mon pneu et c'est bon. Voilà, nickel, merci. Je veux fermer. Oui, bah oui, oui. C'est là, c'est pas... Tu peux t'asseoir derrière, elle va reculer en arrière, c'est normal. En arrière, c'est normal. Il y a une photo qui va finir dans la brigade. Yes. Génial. Ah merci Jules. On échange ou pas? Parce que moi ça roule fort. J'ai envie de faire un tour avec maintenant. Tu veux faire un tour avec? Il manque plus que le gyro, le biton et puis c'est parti. Donc là vous êtes plutôt sur la fin en fait au final là. Oui, on va pour Tobo ou je sais plus. Eh ben ça y est les potes, ils vont repartir. Julien avec sa FJR clinquante. Tu me mets toutes les lumières Jules. Je veux voir toutes les lumières et un beau pimpon en partant.
Le petit demi-tour qui fait plaisir. Oh là 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 là, le fameux double alpha sur la route. Salut Jus, salut. Incroyable. Et ben voilà, merci à vous le peloton d'Avranches. Eh bien, nous avons quitté le petit bar et la gendarmerie et nous voici maintenant sur la route qui va jusqu'à Avranches avec en face le magnifique encore Mont-Saint-Michou, très joli. Pour vous faire simple, on va aller déposer les affaires et ensuite, je pense qu'on va revenir filmer des petites choses sympathiques pour le coucher de soleil au niveau de la pointe du Groin. Et là, nous avons la magnifique, que dis-je, la Porsche, la Ferrari, qui met une ouverture de gaz. Oh là 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 là, regardez, ça part tout de suite. Moi, je suis à fond encore, là, toujours. Attends-moi quand même, parce qu'il y a de la distance, là. Ah, d'accord, ok, ok. Bon, on attend, hein. Ah bah, je joue des vélos, déjà, c'est cool. Autant de possesseurs d'iPhone au mètre carré. Oh là là. Ouah, tous ces moutons incroyables. Oh, là-bas, il y a une petite 50, là-bas. Bon, après, une côte à avoir poussé le camping-car derrière parce que ça pédalait énervé. On est enfin arrivé au gîte, voilà, juste à côté d'Avranches. Je ne sais pas si ce soir on aura le temps ou pas d'aller voir le coucher de soleil au niveau du Mont-Saint-Michel. On verra. Mais sinon, on a eu un petit souci que je n'ai pas filmé. Mais il s'avère que sur la jaune, en fait, la patte de fixation du pot d'échappement en dessous a pété. Donc, en gros, on l'a fait tenir actuellement avec un fil de fer ici et ici. Pour le moment, ça tient. Mais on va essayer de trouver demain matin un soudeur pour pouvoir ressouder la petite patte comme il faut en dessous. Donc on va voir. Bon les gars, je vous explique, j'ai mis GPS en mode vélo parce que sinon ça faisait passer par la 4 voies. Alors je suis vraiment désolé, mais va falloir que tu amènes ton speed en rodage dans ce genre de route, ok? Ok mec. Ok mec. Allez, tu peux rouler à côté de moi, t'inquiète. Oh, il y a des petites bosses. Bah voilà, regarde. Ah bah là, en plus, il y a un petit peu de route, je voulais t'avouer. Hein. Faut éviter les petites bosses. Mets-toi devant moi, là. Mets-toi ici, là. Je voudrais l'avoir roulé un petit peu, là, dans les... Voilà. Alors là, par contre, tu roules beaucoup trop vite pour moi, là. Oh, bah là, pour moi, j'ai l'impression que tu roules à une vitesse folle. Ah, attends, et si tu ouvres les gaz en grand salement là. Bah, tu sais, si bloc, c'est ce que je vais faire. Vas-y, accélère en grand là. Oh, ça va encore. Oh, tu sens pas sur toi là? Oh, je sens des milliards de moustiques sur moi, gros. Ah non, moi ça va. Ah, mais parce que je crois que je te les ai envoyés parce que j'ai fait peur avec mon speed. Oh, ça me tape les jambes ça. Il y a des milliards de sticks mou, gros. Moi, le GPS, il me dit passer par là. Moi, j'y peux rien. Hein. Mon GPS, il m'a dit passer par ici. Moi, j'y peux rien. C'est le GPS. Le GPS, il me dit tout droit. Moi, je vais tout droit. Hein. Après avoir passé des chemins de vélo et des trucs où on n'a pas forcément le droit, mais de toute façon, c'est le GPS qui a dit. Donc, moi, j'y peux rien. On est en train de chercher la pointe du Groin. Mais nous sommes en face de... Salut, comment t'appelles-tu ? Anthony, qui est donc un abonné et qui a acheté une magnifique Vulcan S. Est-ce que t'as mis un petit pot, Anto ? C'est la pack performance. Ah, le pack perf avec le pot à roue, tout la ça. La ligne complète à roue. Alors attends, est-ce que Anthony aime les ronds-points ? Ah ! Tu les as laissés ? Oui, tel quel. Ouais, bien putain, sûr. Bien joué. Moi, je les avais démolis au premier virage, mais parce que moi, je suis un peu à l'ardance pour ça. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Quelqu'un de sérieux. Ouais, je suis quelqu'un de sérieux. Pourquoi on s'arrêtait là? Parce que nous, on arrivait à fond de balle. C'est-à-dire que là, j'arrive à 45 avec la petite mob là, à fond les ballons. Bon, lui, il était au neutre, il rigole. Il en rodage, c'est cool. Et pourquoi? Parce qu'en fait, eh ben, regardez les gars, vous avez une magnifique vue devant sur la baie du Mont-Saint-Michel. Ce qui appartient, alors vous le dites en commentaire les gars, Normandie ou Bretagne? Normandie mec. Normandie? Normandie, ouais, forcément. Normandie mec. Est-ce qu'il va avoir de problème, Normandie? Moi. Parce que là t'es pas en Bretagne, déjà tu fais tout. T'es pas en Bretagne. Moi j'ai toujours dit Normandie, mais je sais que ça a un peu appartenu vite fait à... Un peu appartenu, donc parce que ça t'arrange. Voilà. Bon bah vas-y, bah après on va aller à la pointe du Groin et puis on va voir le petit coucher de soleil devant, voilà, le soleil est ici, voilà, et devant ce qui appartient de base à la Bretagne. Regardez-moi la belle photo qu'on va faire devant la baie du Mont-Saint-Michel.
Ah là là. Et tu sais que de base, il y a une légende qui dit que quand la marée descend, et ben en dessous, il y a des crêpes complètes bretonnes. Ouah, c'est beau. Tu acceptes de jouer cette fois qu'il a inventé pour te rassurer ? Non, il y a aucune raison, gros, j'ai... C'est ça le fait. Nous, ça... Ouais, mais c'est magnifique par contre, gros. Hein. Interdiction stationnée, comment ça ? Comment ça, là ? Comment ça ? Ah, tu sais quoi, moi je vais me prendre l'interdiction stationnée sur la droite là. Et regardez-moi ce magnifique. C'est beau. Oh purée. Il y a peut-être des mecs qui arrivent en parapute. en parachute. Dès que je te dis top là, vas-y, ralentis, on va s'arrêter. Ralentis, on s'arrête complètement. Ralentis. Un peu warning. Ok, top. Rouge flamboyant, frère. C'est pipoil là où ça chauffait de ouf. Mec, regarde bien la villa, regarde. Regarde, c'est rouge. C'est rouge sa mère. Et bah, tu vois, c'était rouge comme ça. Au 3. Regarde le bleu, viens là. Regarde le bleu là. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à venir vous abonner forcément à ma chaîne YouTube, les gars. Vous avez plein d'épisodes qui sont en train d'arriver. Ceux qui ne l'ont pas vu et qui tombent là-dessus, allez les voir. Il y en aura encore plein d'autres encore avant et plein d'autres encore après. Donc on continue l'aventure et on va le faire, ce putain de tour de Bretagne, les gars. Je vous le dis.